Voilà, bonjour les amis, les intéressés, les amateurs. Là, c'est sur le marché. Vous voyez, on est déballé. C'est le marché de Vic en Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Et je vous montre ce que j'ai de disponible. J'ai celui-ci avec le manche en Kevlar. Celui-ci, une composition avec une bécasse d'un côté. Et de l'autre côté, c'est un pointer. Voilà, il est disponible aussi. Celui-ci avec un hérisson un peu allongé, disponible. Ceux-là, c'est aller dans les ventes de poche. Celui-ci entre les deux. Celui-ci, vraiment, c'est un peu plus grand pour ceux qui sont avec des grosses mains. Vous voyez, là. Là, un beau modèle. Quelqu'un qui devrait l'acheter, mais je ne sais pas. Bon, il me rappelle pas, mais il est disponible aussi, disons. Celui-ci avec un cheval. Celui-ci, c'est plutôt un van d'auto. Celui-ci, un beau modèle aussi pour ceux qui ont les mains assez grosses. Il est fait à l'ancienne. On va voir l'envers. C'est pas du frein, c'est de l'érable. Après, un autre modèle en frein, encore un modèle gentil. Il est vraiment bien verni. Ça, avec un hérisson, c'est aussi du frein. Il est disponible aussi. Ça, c'est un tout petit van de poche, vraiment fin. Ça, c'est de l'orignal, hein. C'est de la corne, hein, comme du cerf. C'est vraiment un tout petit modèle. Il est disponible aussi. Celui-ci avec un violon. Voilà, pour un enfant, c'est pas mal, c'est très beau. Celui-ci aussi, vraiment petit, vraiment joli. Aussi en corne d'orignal. Celui-ci pour des grosses, grosses mains. C'est avec un obus et puis un canard au bout. Voilà. Après, je fais des recharges pour les gens qui m'achètent sur les marchés. Voilà. Voilà, voilà, on s'amuse. C'est avec beaucoup de passion et de plaisir. Alors ça, c'est une préparation avec une paire de riz et le haut du manche, c'est en corne de cerf. Vous voyez, je travaille avec toutes sortes de matériaux. Kevlar, corne de cerf, antilope. Ça, c'est des dents de cheval, des grosses dents de cheval. Ça aussi, on peut les introduire, hein, dans les compositions. Voilà. Alors, le caoutchouc, il est peut-être petite dimension, mais très très bon en qualité. Voilà. Je travaille sur place. Du caoutchouc carré, mais alors, je pense, hein, de l'âge de 7-8 ans que j'ai commencé à avoir des lance-pierres, j'ai jamais vu jusqu'à présent, j'ai 50 ans, une qualité de caoutchouc carré comme celle-ci. Recommandé par Fredo Maier du 91. Du cuir en grosse quantité là, mais très très bon modèle. Rouge avec des reflets noirs. Il est très très bon. Très très bon, très très bon. Voilà les amis.